Salut à tous, c'est Jeff. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Battle Brothers. On continue notre aventure avec les anatomistes. Dans l'épisode précédent, on avait cassé la gueule à des morts-vivants. Et on va continuer ici. Alors, je pense que le camp qu'on cherche, du coup, doit se trouver plus vers les... Plus dans la forêt. Il faut des outils aussi. Et on est toujours en quête de peau de Arnold pour commencer à activer un peu le combat contre le Kraken. Alors. Familiar with Orcs, massive beasts and strong as oxen. A mercenary band that call themselves Company of the River House came through and headed east. Alors, il y a un camp à l'est. D'accord. Et c'est des orques. Ok. Oh, les super champignons. Les super champlards. 111. Oh ouais, ça part. Ouais. Ça, je m'en fiche. C'est des trucs qui sont inéquipables. Alors, le fléau, ça se discute, hein. Mais notre dernier brother, j'ai pas trop envie qu'il soit un spécialiste du fléau. En fait, si on n'a pas de fléau légendaire, ça n'a pas trop d'intérêt. Je trouve. Le de base est ok, mais il n'est pas. On s'en fout. Close the tracks. Faut couper. Bon, des casques, j'en ai à plus savoir ce qu'on fait, donc ça m'intéresse moyen de les acheter. Donc il y a un camp d'orques à l'est où il y aurait un objet légendaire. Et il y aurait vivement un camp au sud-ouest. Ah oui, alors on avait dit... Toi tu vires le filet. Est-ce que ça peut s'avérer utile d'avoir un... Enfin, toutes tes stats sont nulles. Bon, quand tu rolls bien en point de vie, on va te mettre point de vie quand même. Bon, on va faire de la chasse au Arnold. Ah, c'est plus rapide, d'accord. Je vais quand même vérifier ce camp-là. Les raiders, je m'en fous. Mais est-ce qu'ils ont pu nous faire spawn un petit groupe de pierres un peu... Aucun intérêt. On peut aller faire ça là. Niveau nourriture, ça dit quoi? Ah, ça pourrait s'avérer compliqué. Quoique, non. Quelques produits qui arrivent à date, mais globalement, j'ai un peu le temps, j'ai au moins le temps d'aller jusque là, je pense. Non, il n'y a pas d'anol, je m'en fous. Ah! Ok, m'en fous aussi. Mani, Baron Drummer, Baron Mimsaster, Anamord. Ok, il y a deux Anold ici. On va aller là-bas. Chercher les petites pots. Ça nous fera déjà ça de moins à farm. On a Rul'Gazix là-bas, mais je suis pas sûr qu'on ait envie de... Donc on a une peau. Ça nous avance un petit peu. Il nous en faut deux de plus. Alors le problème de ce truc, c'est dans un marécage, c'est ça qui nous emmerdait.
Allez, battez-vous, faites-vous plaisir. C'est ça qui nous posait problème, le fait que ce soit dans un marécage, mais bon. On s'en fiche. Manibaran Barrivals, Uberman Drummer, Uberman Mismaster. Il y a deux Unhold, il y a quand même une probabilité qu'on ait les deux pots en un combat quoi. Moi je pense que ça se tente. Tout bon, l'équipe en face elle est pas. C'est des Rivers quoi. Il y a pas de. De Chosen. Donc ça devrait le faire sans trop de difficultés. Alors c'est vrai qu'il y avait toujours cette question de... Ok, lui il est mort déjà. Toi ton filet faut que je m'en débarrasse. Un peu ce que je craignais, mais je voulais me faire ça pour qu'en soi il aille plus sur mon drapeau man que mon tireur. Mon port tender. Il s'est fait ouvrir en deux lui. Bon, il n'y a plus trop de lanceurs de hache, c'est bien. C'est la bonne nouvelle. Peut-être lui. Là c'est un peu risqué quand même parce qu'il va se retrouver au milieu des deux Unhold. Ça m'a rien de problème. D'abord lui qui visiblement a décidé de foncer sur mes tireurs. Tu veux dire qu'on a plusieurs fois crit hein. Enfin, lui il a le pied flingué. Bonjour. Oh Maccabé. Tiens. Tu peux pas. Mais ça lui fait du moral, ah oui, donc il est vraiment considéré comme. En vrai, toi tu peux aller là. Oh, le tueur de Hanol.
Lui a fait son tour, laisse tomber. C'est vrai que lui, du coup, il peut pas reculer si je mets quelqu'un derrière, donc. Toi, tu peux tanker. Toi, tu on va vite te coller parce que des fois qu'ils décident de se faufiler, on les connaît, les Arnold. Voilà, très très bon combat tout ça. Et on a eu... Aïe aïe aïe, on a qu'une seule peau. Il me semble que... Oui non, ça ça compte pas. Bon, déjà on a eu une peau, c'est pas mal. Bah il nous faut juste trouver une petite quête où on doit combattre des Arnold. On l'a fait. Et on redescend. Et après on se fait un petit combat contre des Necros avant et on est prêt à activer le Black Monolith. Alors on l'activera peut-être pas tout de suite, on va quand même gratter un ou deux niveaux, faire quelques petits combats, mais grosso modo on n'y sera plus très très loin. And the Dark Arnold. Je crois que c'est une quête pour moi. Je vais juste par contre camper un petit peu, histoire d'avoir les outils. Pour me réparer. Alors, je suis pas sûr du. Si de mémoire c'est plus cher. Ouais, c'est. Ouais. Un peu de bouffe aussi. Allez, un peu de bouffe. Ça c'est bon. Ouais. Dommage, pas d'armure intéressante. Ça, ça peut être bien. Ça peut être sympa sur un tireur, en vrai ça donne pas de durabilité ça. En vrai qui est... Ouais vas-y. Ouais mais toi j'ai pas envie que tu gardes cette armure là. Sur celle là ça peut être bien en vrai. Ça rend un peu... C'est pas très joli mais bon. Ça fera. Ça... Ouais c'est pas des peaux donc je m'en fous. En vrai c'est peut-être mieux de mettre ça, ce sera peut-être plus joli. On voit plus les crânes mais c'est plus joli. Nous misions sur l'esthétique. Ah ils sont partis où c'est con. Là-bas, oh oui si ils sont plus. Tout le monde va bien niveau armure. J'ai quoi? On a pris quelques dégâts mais rien de bien. Alors, faut juste pas que le tireur se fasse choper quoi. Ça tombe bien. C'est relativement faisable qu'il se fasse pas choper. Il y a fort appareil qui part vers là-haut. Si je me mets là, ils vont essayer de le pousser, c'est quasiment sûr. Moi, ça me va. Il a toujours son filet, mais je suis con. Au pire, je vais finir par le jeter au pif, ce filet. Ok, bah on a une cible ici, ça c'est bien. Ok, on focus lui du coup. Toi t'as rien à faire. Si on peut en tuer un dès le premier round, c'est quand même fort. Hein. Et en plus il s'est mis là lui. Ok, il court après mon archer, ben, on va le faire, on va les faire courir. Il
Qu'est-ce qu'on tape en premier? Il a fait son tour. Ok, il y en a un qui va s'enfuir, donc on n'a plus besoin de s'en occuper. On peut lui donner une porte de sortie par là. Ah, vite, t'as ton pied cassé, toi. Pas grave. Ça serait bien s'il pouvait tuer un. Tuer une débate. Pour l'XP, ça serait cool. Bon, il pourra pas trop normalement se faufiler jusqu'à mes tireurs. Vas-y, tue-le. Let's go. Ça se plein d'XP, ça. Ouais, bon, ils en ont drop, donc on va avoir besoin de faire un combat de 2h30. On va pas le bloquer du coup, celui qui s'échappe. Vas-y, juste faire ça, récupérer les pots et aller dans le sud. Ah, oui, bien sûr, récupérer un peu notre argent. Formidable. Bon, les invasions morts-vivants, je vous avoue que. On a pris toute la nourriture qu'il y avait? Oui. Bah direction, on va aller à Gronenfest d'abord. Ne m'emmerdez pas. Non, on ne peut pas faire de combat qui n'est pas utile. J'aimerais bien en fait faire des combats soit qui vont me donner des objets légendaires, soit qui vont avancer un peu quoi. Est-ce qu'on vend bien 107? 107 c'est glamour. Et je crois qu'on va encore mieux à Tannstadt. Tannstadt qui est. Tannstadt. Ça va bien aussi. Après c'est glamour. Hein. Mais on va quand même garder nos petits sous. J'ai foi. La taverne, on s'en fout. Le weaponsmith, y'a pas d'arme incroyable. L'arme horreur. Oh, ça c'est le meilleur casque qu'on puisse avoir pour un tireur, je crois. 6000 balles, c'est oui. Bon, c'est dommage de lui avoir mis une armure légère, du coup. C'est dommage qu'il ait ça, parce qu'il est en train de nous prendre une armure lourde, mais... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. En vrai, il aurait fallu l'armure du... Les Blade Dancers et les Assassins, ils ont des très très bonnes armures pour les archers. On va aller à Tannstadt, alors c'est où qu'il faut qu'on aille, le monolithe il est là-bas. Bon ça va, au moins il est pas trop loin, il est pas paumé au milieu de la pampa. Ça c'est la bonne nouvelle. Ouais bon. Lost Man Shelter in the Swamp Northeast.
Est-ce qu'on vend bien? 420, oui, ça vaut le coup d'attendre. On aurait pu réparer tout ça, c'est vrai. Mais on l'a pas fait. Un petit outil, un peu de nourriture. Parce qu'on va partir en vadrouille, je sens. C'est pas Destroy Allman Shelter, Destroy Kerskevon, Retour sur la Konstadt. Oui, l'armoreur. Mais celui-là, le problème, c'est qu'il donne moins un de vision, donc il est forcément moins bien. Donc on nous avait dit qu'il y aurait eu un camp orc à l'est, hein, qui aurait un petit objet qui pourrait nous intéresser. Parce que tout là, on n'a rien, on n'a pas d'infos. Donc il y a moyen que ce soit pas si loin que ça. Faudrait faire un mode qui nous affiche en permanence les zones qu'on voit en fait. D'ailleurs, attends. Oh, on a tous nos followers. On pourrait virer lui et mettre celle qui a. La lookout pour voir un peu plus loin. Mais bon. Ah. Drog Gazan, Somorkyung, Fjord Courier. On va peut-être aller. Le problème, c'est que eux, c'est que des boucliers. Donc, Ah, il y a moyen qu'il soit là le. Ok, on a trouvé Ghoul Garage. Donc là, normalement, il y a un objet. Pléthora of Furion, ça va. Manor Berserker, Few Orc Warrior, un Orc Warlord. Few Orc Warrior, il y a que genre deux Warriors et un Warlord. Ça se fait, ça, non? Oh oui, ça pourra se faire. Hein. Toi! Et voilà. Applaudissez-moi! J'y ai pensé. Je pense que ça se fait comme combat. Hein. Golgarash, mon cul, on s'en fout, mais ça. Mais vous savez quoi? On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure avec nos amis les anatomistes. Allez, ciao, ciao!